L'université plaide régulièrement la cause de ses étudiants auprès de la préfecture en se fondant sur trois principes. Premièrement, c'est seule l'université qui peut évaluer si c'est un étudiant sérieux, pas sérieux. Elle ne dépend jamais d'étudiants fantômes. Ça, c'est un principe. Deuxième, tout étudiant doit pouvoir achever son cursus entamé, même s'il comporte plusieurs années. Enfin, il y a le respect du droit au redoublement. On ne voit pas pourquoi on leur demanderait plus qu'à des étudiants français ou européens. Malheureusement, on peut redoubler. En avril 2013, la préfecture de Strasbourg avait reconnu ces principes et 5 étudiants avaient pu être ainsi défendus. Depuis, ce n'est plus le cas. Ce 25 avril, elle s'est notamment montrée particulièrement sourde devant à nouveau 5 cas soutenus par l'université. Jamais, jamais la loi n'oblige une préfecture à expulser des étudiants. Mais depuis cette année, tout cas laissé à son appréciation se solde par l'expulsion. L'université ne s'explique pas ce revirement. Vous irez lire sur le message ce que dit la présidente de l'université, le collectif des enseignants qui défendent. Donc lors d'une conférence de presse, le 6 mai, les universitaires ont rappelé que les étudiants étrangers sont une source de richesse pour notre université, notre région et notre pays. Savoir les accueillir et les respecter est une priorité pour notre communauté universitaire.